Je te recontacterai si j'ai besoin de toi. Cool, maintenant les projets sont, activés pour ce gars-là. Et comme j'ai déjà fait les projets basiques, j'ai tout fait à fond, tu vois. Lui, il va me proposer, certains projets de marché sont disponibles immédiatement, mais d'autres nécessitent que vous débloquiez des niveaux en améliorant ses opérations. D'accord. Donc du coup, premier projet, sac de balles, augmente la quantité de chaque balle pouvant être transportée, c'est trop bien. Le sac de projectiles, j'aimerais bien avoir plus de projectiles, effectivement, parce que j'ai pas assez de boomerang dans ma vie. Résistance à la douleur. Ah ! C'est vrai qu'on tremble pas mal quand, en fait... Ouais, en fait, ton personnage, il est... Le personnage endgame et le personnage du début du jeu, en fait, c'est le jour et la nuit, quoi, avec tous les trucs que tu peux améliorer. Attaque surprise, toute attaque sur un ennemi pris par surprise inflige 100% plus de dégâts. Déviation de grenades. Les grenades peuvent être déviées à coup de crosse. Je vous parie tout ce que vous voulez que j'arriverai jamais à faire ça, même si j'active le truc. Je vais prendre ça. Et je vais prendre la déviation de grenade. Et je vais prendre le truc à la douleur. Et je vais prendre ce truc-là. Et je vais prendre ce truc-là. Et je vais prendre sac de munitions spéciales, expert en bricolage d'armes, permet de passer d'une modification d'arme à une autre de même rang. Permet de recharger une arme tout en sprintant. Oui ! C'est ce que je demandais ! Les dégâts reçus par les balles ennemies quand vous sprintez sont réduits de 30%. Oui ! En overdrive, tacler un ennemi léger pour l'envoyer dans les airs. Bon, on s'en fout. Coup critique donne 15% de déclencher un coup de crosse. Ouais, bof. Permet de transporter jusqu'à 8 projectiles de chaque catégorie. Jongleur d'armes permet de changer d'arme lorsque le chargeur de l'arme actuelle est vide. Accélère la vitesse de rechargement de 100% et remplit le chargeur de la nouvelle arme. Mec. Permet de sprinter 30% plus vite. Mec. Déplacement tactique accéléré. Ah. Les grenades peuvent être déviées même lorsqu'elles sont au sol. Ah ouais. Je vais faire sprint. Et après tout le reste... Ah, je peux encore prendre des trucs. En overglave. 15% de coup critique. Expert bricolage pour ne pas passer une modification là. Je m'en fous de ça. Augmente la quantité de chaque type de balle spéciale pour être transportée. Je vais économiser en fait ce qui me reste. Pour pouvoir acheter d'autres trucs plus intéressants. Mais franchement, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Là, je suis content. Là, je suis content. J'avais demandé justement... de pouvoir sauvegarder, recharger en courant, et ils me l'ont donné juste après. T'auras besoin de tout ce qui peut te servir. Merci, monsieur. Et voilà, ma petite pièce du puzzle du projet DAG, le brouilleur. Ah. T'en auras besoin pour que la sécurité au sol de l'autorité ne te repère pas. Mais il faut encore le réparer. Ok. On va essayer de le réparer, comme ça on pourra le récupérer plus tard. Toutes mes trucs de soins sont à fond, en fait, j'ai pas besoin de prendre grand chose, là, en fait, dans ta base. Je peux pas voler grand chose, tu vois. Il y avait un truc que je pourrais prendre, ah, voilà. Ça ira, je suppose. Let's go! Le nombre au-dessus de ma tête, juste là, en fait, c'est le nombre de subs qu'il y a dans... sur la chaîne. Donc actuellement, vous êtes 88. Sachant que comme on a changé de mois, en fait, il y en a beaucoup qui ont été... Tous les primes, surtout, ont été des subs, du coup. Hey, hey. Merci pour le coup. Mais je t'en prie. En fous ta gueule. Marchand d'information. J'ai pas besoin de savoir ça, moi je peux trouver de moi-même, j'ai pas besoin de dépenser de l'argent pour ces conneries. On va partir d'ici vite fait. Alors, du coup, j'ai un repère de bandits ici, un ici. Point de plein d'information partout. J'ai deux autres quêtes, en fait, pour me permettre de retrouver les deux autres gars qui manquent. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire ces deux points de bandit, faire ce truc-là, et revenir ici. Oh, il y en a un aussi. Oh, goddammit. On va faire ça dans l'ordre. Clac, 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 comme ça. Ça sera plus simple. Et après, quelle heure il est? Il est 22h30, et une fois que j'aurai fait ça, ça va prendre un petit moment, mais une fois que j'aurai fait ça, on va lancer le deuxième jeu que j'avais envie de tester aujourd'hui, qui a l'air top aussi. Alors, comment on sort d'ici, s'il vous plaît? Pardon, excusez-moi, poussez-vous. Ah, si, si. Phoenix! Tu m'as manqué, Phoenix! Viens dans mes bras!
Activation des systèmes. Walker, il faut que tu t'occupes de mes opérations. Ok. J'ai des projets qui pourraient être utiles si tu les fais avancer. Je suis à proximité d'un avant-poste hostile. Ça doit grouiller de tueurs et de vermines. Si tu t'en charges, on te devra une fière chandelle. On parle de ce truc-là, là ? Ah bah oui, c'est ce que j'ai marqué. C'est juste à côté, tu vois. Au revoir, Félix ! On y est, bébé ! Le deuxième jeu, ça te plaît pas, Mansignol ? Le deuxième jeu, il a l'air top, hein, pourtant. Hey, Lily. Dans un endroit qui m'a l'air louche. Ouais, c'est plus vraiment le niveau de sécurité de Vinem. Prépare-toi bien, Walker. Ok. Est-ce que on peut parler de massacre? Est-ce que littéralement on peut parler de massacre là? Hey! Je crois qu'il a même pas compris que ses amis étaient morts, tu vois. C'était énorme! J'ai tellement pris mon pied, vous pouvez même pas imaginer à quel point. Ça fait plaisir de tuer des gens quand même! Oh, j'aime pas ça, dans tous les jeux c'est comme ça! Dans tous les jeux, en fait, les bâches ça compte pas! Oh! Ah bon! Alors, elle est où ma phénix? Je l'ai cachée dans les herbes. Elle est pas affichée sur ma carte? Ah si, elle est sur ma carte. D'accord. Bon bah écoute, ce camp c'est fait, hein! Et on a les ballons qui sont à côté. À quoi ça correspond ces ballons? Oh merde! J'ai fait tomber le truc super loin. Je pense que ce sont des. C'est un peu comme des. On appelle ça comment? Des care packages, tu vois. Alors, on va ici. Alors si on nettoie, si chaque nettoyage de camp se passe comme ça, moi je vous dis, je finis ce jeu en 2 heures. Alors, Mansi, t'inquiète, je te taquinais en fait, hein, c'était pas besoin de te justifier. Oh là là. Bonne chance. Ah si. Toi aussi pareil. Ah, c'était un peu con. Oh, mec. En plus, il y en a plein là-bas. C'était un truc où je dois aller d'ailleurs de base. Je suppose qu'en fait, on peut récupérer un tas de ballons comme ça, récupérer ce qu'il y a dedans. Il y a de l'or, des jetons, etc. Je pense que les jetons vont me servir pour ce fameux truc là-bas, MBTV là. C'est un rapport, je suppose. C'est quoi cette lumière? Allez, où ma voiture? Eh, où ma voiture? Allez, là. Activation des systèmes.
Ok. C'est juste sur le chemin. Je l'ai défoncé. Je crois qu'il a pas aimé ça, quoi. En fait, en mettant le chemin sur la route comme ça, ce qui est génial, c'est que tu peux regarder un peu le décor. T'as pas les yeux genre rivés sur la mini-carte en bas à droite. Là, tu es obligé de regarder la route, parce que le chemin est sur la route de toute façon, donc tu dois regarder le chemin, quoi. Mais bon, les virages sont un petit peu brutaux, hein. Encore un de ces repères de bandits. Oh ! Lily. Phoenix, je vais devoir t'abandonner, ma petite. Rappelle-toi ce que disait ma mère. Les rangers doivent évaluer les risques avant d'agir. Et être prêts. J'ai évalué les risques ! Et j'agis ! Oh, fuck me. Change encore les armes X. Oh fuck! Non! 3, 2, 1! Wouh! Anna qui arrive qui fait allez! Mec, j'ai plus de balles! Putain, je rate! Et plus de son parce que j'ai plus de vie, quoi! Dommage! Ça aurait pu être pas mal. Mais c'était horrible. Merci Anna pour les 200 bits, ça fait plaisir. Merci à toi. Alors, ça fait plus de 7 ans que je suis Seroth. T'es sérieux? T'as grandi avec Seroth? The fuck? Mec, c'est chaud. Et maintenant que je suis revenu avec l'overdrive, ça va chier. Je suis déjà mort. The fuck. Tout à l'heure j'ai réussi à résister pendant longtemps. En fait y'a des gens qui sont en train de me tirer dessus à coups de missile là.
Je crois qu'ils m'ont pas... Je crois qu'ils m'aiment pas beaucoup en fait. Allez, c'est parti, je vais essayer d'accélérer. Ah, j'ai, c'est tout ce que j'ai, d'accord. C'est déjà pas mal, je trouve. Hein. Allez, recule. Elle peut pas, allez, allez. Allez, go, go, go. LOL! Allez, c'est parti, défibrillation, on y croit, on y croit! Laisse tomber, quoi! Paye ton jeu! C'est un peu le bordel, quand même, hein! Ok, overdrive. Où les gens, je les vois pas en fait. Où sont les gens? Ok, je te vois, mec. Eh, c'était pas mal. En fait, je pense que la difficulté va augmenter parce que les ennemis sont très nombreux. On peut faire énormément de dégâts, mais la quantité d'ennemis, en fait, elle est juste insane. Et au bout d'un moment, effectivement, je sais pas comment ça se passe sur le live. Au bout d'un moment, je pense que c'est assez difficile à suivre, en fait, de ce qui... C'est pour ça que j'arrête de parler totalement, là. Que... Trop... C'est trop compliqué, en fait, d'arriver à... À tirer sur les ennemis. À ne pas mourir. Enfin, à tout esquiver et à utiliser les pouvoirs. Le CTRL-F, j'ai du mal. Je sais pas pourquoi j'ai du mal, en fait, avec CTRL-F, mais...
Ok, bye. Ok, ça c'est fait. Un convoi, ok, les convois ça part, ça vient. Je vais faire ce truc là, récupérer ça, je fais la dernière mission et après on change de jeu. C'est une météorite en douille. Ça doit être sûrement un morceau d'Apophis. Y'a peut-être de la feltrite à la clé. Va vérifier. Ben lol. Va vérifier, mais c'est tombé où? Là-bas? C'est pas écrit sur la carte, du coup je fais comment pour aller vérifier? Je roule dans la direction du truc avec un avec l'espoir de le voir, c'est ça? Ce jeu est un petit peu violent, oui Ah, ça c'est sûr. Ça c'est sûr, il est violent. Je suis pas sûr qu'on puisse le voir de là. Faut voir si en fait ça fait afficher sur la carte. Je pense que c'est le point d'interrogation. Ce serait logique. La sentinelle de l'autorité. On va te laisser passer pour le moment. Je suppose que même avec mon fusil à pompe, je suis pas encore au niveau pour toi là. Alors il y a un truc là. Crash routier. Plus de balles. Mec, il a une épée! C'est un ninja! C'est tout? C'est propre? On a tué tout le monde? Crash routier, vous savez que c'est un événement aléatoire du coup? Ça veut dire. Soit c'est un événement aléatoire, soit c'est un morceau de la carte qui s'appelle comme ça. Du coup, c'est. Ok, d'accord, bon. C'est un événement. C'est un événement aléatoire, effectivement. Des fois il y a des gens, des fois il y a pas de gens, tu vois. Ah, la comète elle est juste là. Bouh. Elle est à côté de l'endroit où on part. C'est très bien. J'aime la pizza. Oui, j'aime. Quoi? Il aime pizza d'eau? What? Tu me demandes s'il y a des skins dans le jeu, Anna? Je crois, ouais. Parce que il y a un menu pour les skins des armes. Mais je sais pas si on peut récupérer les skins en quelque part, tu vois. Est-ce que t'as raté quelque chose? T'as raté 2h30 de Rage 2, 2h30 du début, du coup. Le jeu, c'est fun. Donc, ouais. Au niveau scénario, j'ai envie de te dire... Il me donne pas envie de connaître l'histoire. Par contre, j'ai envie de... En fait, syndrome Just Cause, hein. Tu vas me dire que c'est les mêmes développeurs, mais... Le scénario, en fait, il est un peu... Il est très secondaire par rapport au fun que tu as à tuer des gens, on va dire. Après, c'est pas un jeu que je vais faire un let's play, on va dire, sur cette chaîne. Sauf si, bien sûr, les gens, ils ont envie de voir. C'est pas comme Days Gone où les gens, ils ont envie de voir Days Gone. Là, c'est... C'est pour tester, tu vois. Ça, c'est un jeu que je vais jouer tout seul, je pense. Ils font chier, eux.
Où est l'ennemi? Oh, je t'ai raté là! Pacifié! T'appelles ça pacifié toi? J'ai hésité à démonter leur tête! À grands coups de bastos! Et toi tu dis pacifié? Eh ben dis donc. Ouais, c'est vrai, Alpha, ouais, t'as raison, le continuer en live, c'est une bonne idée. Hein. Et après, peut-être balancer tout en rediff sur Seros 2, hein, comme d'habitude. Hein. Seros 2 est devenu le repère, en fait, de jeu que les gens veulent pas voir sur Seros. Vous avez terminé l'installation de l'idée intronisation écrasement. Grâce à elle, vous pourrez temporairement défier la gravité et attaquer les ennemis depuis les airs en créant une puissante explosion cinétique. Ok. Utilisez écrasement pour éliminer des cibles. Hop. Faites-le encore une dernière fois. Bien. Plus vous êtes haut lorsque vous déclenchez l'écrasement, plus vous infligez de dégâts à vos ennemis. Ça va chier, poulette. Hello. Comment j'ai réussi à revenir en arrière? What? What? Raté. Réessayez. Ah, le double saut n'existe pas là. Ils ont désactivé le double saut dans ce mode-là. Techniquement, c'est le même, tu sais. Almanar. Techniquement, c'est le même, les deux. Hein. Oh non, c'est un jeu totalement solo à 100%. Ah ouais, mais en fait, si je veux pas faire de let's play, Mansi, c'est pas pour me retaper un montage du live, en fait. C'est pour ça que je mets sur Seros 2, d'ailleurs. Soit ça, soit je paye quelqu'un pour faire le montage. Et je t'avouerai que, vu la quantité de gens qui vont regarder la rediff, c'est pas forcément ce qu'il y a le plus logique à faire, on va dire. Bobo ! Oh ! Oh, il a plus de tête, hein. Hey ! Bonjour ! Oh, j'ai plus... Attendez, je reviens, je recharge. Attendez, tirez pas, j'arrive. Laissez-moi recharger mon truc. Oh, j'ai perdu combo, du coup. J'arrive. Il est où, le gars? Il est entré dans le feu? Ah, on me tire dessus encore. Salut! Je crois qu'il a pas aimé ça. Hein. En fait, je crois que tu comprends pas, Mantina, ce que je viens de te dire. C'est que je vais pas faire de montage sur Days Gone, en fait. Sinon, ça sert à rien que je mette la rediff et que je fasse en live. Parce qu'en fait, pouvoir découper convenablement le truc, ça demande à ce que j'ouvre dans mon logiciel de montage et ça me fait 20 millions de rendus pour plusieurs épisodes. Ah, je suis mort. 20 millions de rendus pour plusieurs épisodes que je ne peux pas mettre dans d'autres vidéos, du coup. Après, t'es pas obligé de regarder, hein. La rediff, c'est vraiment, vraiment pour ceux qui veulent, vraiment. Hein. Mais tu rates pas grand-chose. Hein. Pas que c'est, tu vas me dire que c'est une histoire. Arrête, dégage-toi! Attends, on va tester un truc. Ah, ça marche pas.
C'est une ville où il y a que des combats. Je suis où, moi? Ah, je suis à côté de mes trucs. Du coup, il faut que j'aille à la... Ah, y a un... ah d'accord, il y a une villa de vandales. Juste à côté, c'est pour ça que c'est la merde. C'était juste là, en fait. C'est là. En fait, c'est là où il y a de la fumée, il y a des gens. Vraiment, je pense que ce jeu manque un co-op, du coup, hein, pour être... Oui ! Ok, raté. Connerie ! Mec, calme-toi. Ah ouais, c'est n'importe quoi. Hein. Et là, je suis mort, j'ai pas de défibrillateur. Et attends! Ah non, j'ai pas d'overdrive. Ah là, j'en ai un. C'est où les gens là? C'est toi qui balance des grenades à fond comme ça là? Je fais chez tout le monde hein? Hello? Bah voilà! Ah, je croyais que c'était de l'argent. Je suis déçu. Du coup, tout le monde est né, tout le monde il est mort, tout le monde il est décidé. Et on va aller ici, il y a un point d'interrogation juste là. Et après, je pense que je vais arrêter là parce qu'en fait, je ferai pas le... Je ferai pas le jeu sinon, il est déjà 23h. Le pompe, il est un petit peu abusé, en fait, je te dirais. Oh putain, laisse tomber le fusil quoi. En fait, je m'attendais pas à ce qu'il y avait autant... En fait, ces soldats-là, je les aime pas. Ils sont super difficiles à tuer, eux. Fusil à pompe ou pas. Oui, bon, je trouve... En fait, la méthode serait... Oh, fuck you. La méthode, en fait, ce serait de... d'enlever leur armure à chaque fois, tu vois. Grenade. Ça a pas buté ?
Ça a pas pété. C'est abusé quand même. C'est abusé. Oh merde, je recommence aussi loin. Je pensais pas que ça allait être aussi dur de récupérer juste une météorite. Mais je suppose que tout le monde se bat pour cette météorite, d'autant plus que les mecs en armure sont très très solides, tu vois. Hey ! D'où tu me tires dessus, toi ? Ok! Overdrive, motherfucker! Ok, overdrive gaspillé, motherfucker! Où est-ce que je suis? C'est là que je dois aller. Wow! Sérieux? Non mais oh. Ok, de l'argent. Ce truc boum boum là. Y'a quelqu'un dedans? Ah, y'a quelqu'un dedans. Ah, je peux pas l'avoir. Oh. What the fuck? Ça se bat dans tous les sens en fait. C'est insane. Je suis tellement loin du truc, je suis jamais arrivé à côté en fait. Il y a 20 millions de personnes. Allez, 270 mètres. Repère des bandits. D'accord, c'est ça en fait la blague. Il y a un repère de bandits sur mon chemin. En fait, t'as des repères de bandits partout. C'est pire. Je dis bien pire que Far Cry New Dawn. Tu as des repères partout en fait. Feu Pro, il a fait 33 kills dans une seule partie? Ou alors je lis de travers? C'est là, les gars. Météorite de Felrith. Ta gueule. Sport de mutants. On peut pas récupérer ça d'un coup? Non, parce que là, c'est un peu relou. What the fuck? T'as envie de récupérer un par un? C'est un petit peu abusé. Moi je veux pas un bouton récupère all, tu sais. Almanar est comme moi avant la fibre. Oui. Triste. Et... désespéré. Ça c'était moi avant la fibre. Maintenant je suis... juste comblé.
tu vois. J'ai téléchargé Raz en rage en 10 minutes. J'ai pris plus de temps à essayer de paramétrer le jeu pour qu'il fonctionne pour vous, plutôt qu'à le télécharger. Et ça, ça n'a pas de prix. C'est à droite, faut que j'aille à droite. Faut que j'aille nettoyer un petit peu la base. Alors c'est parti. Je peux pas mettre une base de bandits à côté de moi et que je fasse rien, quoi. C'est juste pas possible. Give me my overdrive. Hey, baby. Ok, baby. Même en overdrive. Le truc est solide. Quoi, y'avait qu'un... Y'avait... Non, j'ai gaspillé mon overdrive. Je suis même pas sur la base, bordel. C'est pas parce qu'il y a des ennemis que c'est la base, c'est Ross. Donc retiens-toi de tirer. Difficile, ça. Retiens-toi de tirer. Mais essayez de me retenir de pas tirer. Je vous promets rien. Ouh, j'ai... éliminé tous les sueurs. Putain, les gars, ils sont chauds, ces gars-là. Ces gars-là sont ultra chauds. Je vais mourir! Parce que je n'ai pas de soin. Tristesse, tristesse. Ah, c'est Valou actuellement. Ouais, j'avoue. J'avoue que t'as pas encore la fibre. Mais bientôt, Valou. Y'a de la ferrite là. Fuck me. Oh non! Défibrillation, j'y crois. Faudra que j'améliore un truc au niveau de la santé dans ce jeu. Est-ce que c'est possible? Nanorite, saut 0G, constitution. Projection... entrée. Alors, absorption de Felrite. Régénération de santé augmente. Ah, j'ai pas assez de Felrite. C'est quoi ce truc-là? C'est quoi ce truc-là? Oh, bordel. Je peux pas. Mais c'est cool, par contre, je peux le faire en combat, tu vois. Donc, du coup, ils sont pas trop dégueulasses. Ouais. J'ai rien pour tout ça. Est-ce que mon fusil à pompe... J'ai jamais pensé à améliorer mon fusil à pompe. Je peux améliorer mon fusil à pompe. Capacité de chargeur. Chargement éclair. En fait, je vais débloquer... M'en fous, je vais débloquer tous les niveaux. Parce que c'est mon arme préférée. Mec! Il a pas voulu! Avance! Se soigne en fait, les enfoirés.
Il se soigne. Alors, il y a encore un mec qui est vivant quelque part, mais je sais pas où il est. Ça, je suis trop grand en fait pour taper les caisses. C'est un petit peu abusé, j'ai envie de te dire. Mais j'ai fini par réussir à les tuer malgré ma grande problématique. Ah mais non, mec. Mec. Mais non! Si la rhino est pas fibrée, c'est juste un problème de sous, tout simplement. Parce que il y a des endroits qui sont plus inaccessibles que d'autres. Bon, comment je vais faire pour le tuer, lui? Alors, j'espère que ça marche, ça. Ça a marché! Tout va bien! Vous imaginez en fait la mission impossible de gagner parce que le mec est coincé dans une caisse? Voilà. Ouh! Bon, cette base, c'est fait. Je vais aller là-bas. Ah ouais, j'avoue, la Belgique est plat, ouais. Je sais pas, j'ai pas vu de montagne en Belgique, y'en a ? C'est une vraie question, hein, c'est pas une blague ou quoi que ce soit. Ça t'est déjà arrivé dans Mass Effect ? Tu compares beaucoup ce jeu à Mass Effect. Salut Marina Crow. Oh, je me suis niqué ma vie. D'une belle, très belle façon. Bon, du coup, nous avons réussi à faire tout ça. On a fait un bon petit bout de chemin dans ce jeu. Et on a fait un bon petit 3 heures sur Rage 2 pour commencer la soirée. Donc du coup, là, ce qui va se passer, c'est que je vais switch de jeu. On va tester Plague, parce que c'est un jeu qui est sorti aussi... Enfin, en tout cas, j'ai eu la clé aujourd'hui aussi. Je sais pas s'il est sorti aujourd'hui ou pas. Faut voir. Alors, c'est pas du tout la même ambiance. Le jeu est ultra... Le jeu est plus en mode infiltration, etc, tu vois. Oh, ma vie est descendue comme de l'eau, quoi. Damn you. 700 mètres, c'est la plus grande montagne. 700 mètres, c'est la hauteur de la ville à laquelle j'habitais à La Réunion. Alors là... Ah ouais, j'avoue que c'est pas super grand. Bon, on va sauvegarder. Personnellement, je sais pas ce que vous en pensez, mais j'aime beaucoup.